Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue pour un nouveau point au crochet. Donc un point que vous pouvez voir, un mix entre petit point coquillage et point V. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un rang, voilà, avec ce petit coquillage et un rang avec ce petit V. Donc ces coquillages sont en fait travaillés dans le V du rang précédent. Je vous suis travaillé avec un fil avec un dégradé de couleur. Voilà, donc c'est la twist, une variante de la twist hein, de chez Teddy. Donc vraiment sympa au niveau des couleurs comme vous pouvez le voir. Et puis là, vous avez des tons plutôt gris, rose, marron un petit peu aussi. Et puis je vais vous montrer donc pas à pas comment crocheter ce point. Et je travaille avec un crochet 6 mm pour tout ça. Alors on y va, c'est parti. Donc je vais commencer avec bon, des restes de fil hein, et on va commencer avec voilà. Ma chaîne est travaille une chaînette de maille en l'air. Donc on va travailler sur une base de 5, sur un multiple de 5. Donc je vais prendre 15 pour la base, plus 2 voilà, pour la suite. Donc 15, un multiple de 5 plus 2. J'en suis à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On y est. Alors, donc on va sauter les 4 premières mailles, on fait un jeté et on va piquer dans la cinquième. Donc on rentre un V, ensuite deux mailles en l'air, puis on repique dans la même maille pour crocheter une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air et je saute 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et on continue avec une bride. Donc 1, 2 mailles en l'air, on pique, repique dans la même maille. Et on crochète une bride. Donc là j'en ai. Je saute encore 4 mailles. Et je dois avoir encore 3 mailles en plus. Je fais ma maille en l'air parce qu'il faut ma maille en l'air entre mes deux V, bien sûr, ne l'oublie pas. Donc on crochète notre V, donc une bride de maille en l'air, une bride que l'on va repiquer dans la même maille. Et ensuite une maille en l'air et on termine sur la dernière maille, on va crocheter une bride. Donc là, on a notre bride ici et ici. Ensuite, on poursuit avec le rang numéro 2. Donc on va faire 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va crocheter les brides au niveau du V qui est ici. Donc on va crocheter 5 brides dans ce V. Une, deux, trois, quatre et cinq. Donc vous voyez, hein, c'est bien, bien plein. Et puis là, je vais dans le V suivant et on va crocheter 5 brides. Là, j'ai 3, 4, 5. 5 brides. Et 5 brides encore au niveau du V suivant. Une, deux, 3, 4, 5.
Et donc là, ensuite, on va faire une bride au niveau de l'échelle de Mayenler qui est à côté. Et après, on a terminé notre rang numéro 2 avec tout ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, dans la maille centrale qui est juste ici, donc la troisième, on va crocheter un B, un V. Avec 2 mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air. Là, je vais aussi dans la cinquième, enfin, la troisième maille, enfin, dans la troisième bride, dans la maille de la troisième bride, du coup, qui, enfin, des cinq brides que l'on a crocheté au rang précédent. Et je crochète une bride, deux mailles en l'air, et une bride, tout ça dans la même maille. Ensuite, une maille en l'air, je vais au niveau de la maille suivante, je crochète une bride, deux mailles en l'air, une bride. Voilà, donc on a presque terminé avec ce rang là. Ensuite, je fais une maille en l'air, je vais au niveau de la chaîne de maille en l'air qui est juste ici et je crochète une bride. Voilà. Et maintenant, je vous montre encore le rang numéro 4. Voilà, qui est dans le même principe au niveau du point coquillage. Et donc là, je vais crocheter donc du coup 5 brides à chaque fois au niveau des deux mailles en l'air que j'ai crochetées entre les deux brides du rang précédent, donc c'est-à-dire au niveau des deux mailles en l'air du V, on va crocheter à chaque fois 5 brides. Voilà, donc V suivant, on crochète 5 brides à nouveau. Alors là, j'en ai perdu le fil, on reprend. 3, 4 et 5. Et on va dans le V suivant encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah non, 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 j'ai encore petit accident encore. Bon, on refait notre cinquième bride et on termine notre rang. Donc je fais une bride au niveau de la chaîne de maille en l'air du rang précédent comme ceci. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à répéter ces deux rangs jusqu'à arriver jusqu'à la fin de votre projet. Hein, et puis après, ben, je vous montre le résultat quand voilà, j'aurai atteint une hauteur suffisante. Donc nous y voilà, donc vous avez un aperçu de ce que ça donne. Vous avez le début ici, puis après des tons bruns, un peu des tons roses et violets qui reviennent. Donc j'espère voilà, vraiment que ce point vous plaît. Donc vous voyez bien donc ces coquillages qui sont, enfin pas coquillages, qui à chaque fois travaillé dans les V du rang précédent. Donc vraiment mignon. Donc si ça vous plaît, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite, salut !